Bonjour et bienvenue en 2021, et bien pour amorcer cette nouvelle année avec vous, avec de nouvelles créations, et bien entendu je vous souhaite une superbe année, et bien la prospérité, la santé, l'amour bien sûr, et surtout plein de câlins et de bisous. Alors aujourd'hui je vous retrouve et bien pour cette première de l'année, parce que je vais pas vous lâcher comme ça, et on va commencer par un petit projet tout doux tout doux. Qu'est-ce qu'on apprécie lorsqu'on regarde un ciel un petit peu sombre? Et bien c'est un ciel étoilé, et aujourd'hui ben écoutez, j'ai pas encore décroché mon étoile parce que ça tient qu'à vous, mais je vais faire avec vous ce petit projet, donc une petite étoile en feutrine brodée. Je vais vous apprendre, qu'est-ce que je vous apprends en plus dans ce petit projet d'aujourd'hui, et bien ça est fabriquer un petit gland. Alors on va pas glander toute l'année, on va travailler, on va prendre nos aiguilles, parce que vous voyez, bah écoutez, je vous présente plusieurs modèles, et puis la particularité de ce cours d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit bien d'un cours, et bien c'est de faire cette petite étoile qui apportera, bah écoutez, une illumination dans votre foyer, parce que je veux et bien que vous puissiez regarder le ciel différemment, justement parce que les étoiles, et bien qu'elles éclairent votre route comme elles vont éclairer la mienne, j'en suis sûre, parce que vous me regardez aujourd'hui. Et bien, puisque nous commençons l'année en feutrine, et bien nous la poursuivrons pour le deuxième cours que je vous présenterai donc dimanche prochain. Donc une feutrine brodée de nouveau, mais cette fois-ci vous aurez le droit à l'ange de la paix, parce que je vous souhaite aussi la paix dans votre cœur et la paix dans votre foyer. Hein, donc c'est l'essentiel donc de cette nouvelle année qui pour moi sont les mots-clés. Donc vous verrez qu'avec cette petite feutrine brodée, et bien écoutez, nous apprendrons et bien à broder son visage, parce que là je vous apporterai des nouvelles techniques de broderie en termes de visage. L'assemblage sera pareil, quasiment pareil donc au petit ange de l'amour que nous avons fait la semaine dernière. Alors vous voyez un petit peu les deux, l'ange de la paix, l'ange de l'amour, et suivez-moi maintenant parce que nous allons faire briller cette étoile rien que pour vous. Alors à tout de suite. Me voici donc devant vous avec le petit ange de la paix que je tiens, bah écoutez, dans la paume de ma main. Donc que vous le voyez un petit peu en détail. Alors vous voyez qu'il y a des petits boutons en feutrine. Je lui ai fait un petit col. Et vous avez des petits yeux brodés. Donc tout ça, on le verra la semaine prochaine. Aujourd'hui, ce que nous allons réaliser, bah écoutez, c'est les étoiles que vous trouvez ici devant vous, en espérant qu'elles guident votre chemin, hein, comme elles guident le mien. D'accord, parce qu'on a tous une bonne étoile. Hein. Et puis, bah écoutez, on va y aller donc pour ce cours complet. Alors, habituellement, vous avez maintenant, hein, je pense que vous le trouverez facilement, donc c'est le PDF. Hein. Il n'est pas très long hein, cette fois-ci. Eh bien, ce que vous allez faire, hein, tout simplement, bah, c'est reproduire comme je le fais moi habituellement sur des bases cartonnées pour faciliter le traçage. Vous allez prendre un stylo friction. Ça, maintenant, vous le savez, je vous l'ai dit donc la semaine dernière. Donc, vous allez prendre donc le premier gabarit, le reproduire et puis bah, venir sur le tracé sur la feutrine, donc sur l'envers de la feutrine. Et vous allez le faire deux fois, d'accord? Comme ceci et comme ceci. Et vous en obtenez deux du coloris A. D'accord? Ensuite, vous allez prendre le deuxième petit gabarit. De la même manière, on le reproduit sur une base cartonnée. On vient sur l'envers. Donc, vous voyez, j'avais utilisé un reste de feutrine. Eh bien, on vient sur l'envers, tout simplement. On vient tracer et on découpe, bien entendu. On longe le trait. Hein. On ne coupe pas sur le trait, on le longe. Hein. Ça, je vous l'ai dit. Ensuite, bah, pareil pour le gabarit suivant. Eh bien, écoutez, on fait la même chose. Hein. C'est le même procédé. On va tourner la petite page. Vous avez le petit gabarit donc, qui se présente comme ceci. Et vous allez reprendre la couleur A qui correspond au même coloris que j'ai employé, moi, pour le grand format. Donc, alors, pareil, sur l'envers, vous venez tracer, puis vous coupez en longeant le trait. Donc, jusque-là, ça n'a rien de compliqué au niveau donc, de la préparation de la feutrine. Toujours utiliser une feutrine tissée au toucher doux et malléable. Ça, je vous en ai parlé donc la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir dessus. Ensuite, qu'est-ce que je vous dis? Donc, on va revenir ensuite sur ce gabarit qui sert à faire le gland. On va y venir après. Qu'est-ce que je vous dis? Bah, qu'il vous faut, bien entendu, le même matériel qu'on a utilisé la semaine dernière. Qu'il vous faut éventuellement, bah, écoutez, des perles. D'accord, du ruban, d'accord, et puis, écoutez, du fil à crocheter, ou alors du ruban, et ça, on va y revenir, donc, lorsqu'on va confectionner, donc, le gland, parce que c'est le cours principal aujourd'hui. Bon, la feutrine, vous allez comprendre le principe, c'est relativement court. Le montage, vous aurez besoin aussi de watts, ça va de soi, et un outil à rembourrage, bon, voilà, hein, je ne vais pas vous les représenter. Et bien entendu,
On va se concentrer sur la partie justement qui est la plus technique aujourd'hui, puisque le reste, vous l'aurez très bien compris dans le cours de la semaine dernière. Eh bien, on va se concentrer sur le gland. Alors, le gland, je vous ai donc reproduit un petit gabarit comme ceci. Donc, vous aurez juste à le découper et à venir le reproduire sur une base cartonnée, de prendre un petit cutter de précision pour venir évider cette partie centrale. Pourquoi je vous ai fait ce petit gabarit? Parce que, je vais vous le mettre comme ça pour que vous voyez bien, parce qu'il correspond justement à mon petit gabarit de chez Prime. Moi, pour faire mes glands, eh bien, j'utilise ce gabarit de chez Prime. Alors, il vient avec la notice, et la notice, éventuellement, je vous la scanne, et puis vous verrez un petit peu comment ça se présente. Vous allez comprendre toutes les étapes, parce que vous les avez ici, d'accord? Donc, j'aime bien, parce qu'en général, quand on achète des petits outils comme ça à loisirs créatifs, ils ont une notice, et celle de chez Prime, je les aime bien, parce qu'en général, elles sont faites avec des photos, et les photos sont souvent plus parlantes. Donc, voilà comment se présente un petit peu ce gabarit pour faire des glands de la marque Prime. Alors, vous pouvez faire trois dimensions, vous voyez, vous avez un gland de 5, un gland de 7,5, et un gland de 10. Donc, moi, aujourd'hui, je vous ai reproduit celui qui correspond aux 10 cm, d'accord? Alors, j'ai tout simplement reproduit mon gabarit. Donc là, ça n'a rien de compliqué, ce que je vous ai fait. Et puis, vous allez voir que le principe est le même. Donc, je ne vais pas l'utiliser devant vous aujourd'hui, le carton, mais vous le ferez de la même manière que je vais utiliser ce gabarit. Alors, il en existe plusieurs des gabarits hein, pour faire des glands, hein, d'accord? Il existe aussi ceux de la marque Clover, qui se présentent pareil, hein. Je vais vous en déballer un pour que vous voyez. Vous avez aussi, j'aime bien la marque Clover, hein, ça je vous l'ai déjà dit. J'aime bien la marque Clover tout simplement parce que, ils ont un large choix donc, de matériel en tout ce qui est loisirs créatifs. Et puis, c'est du matériel qui est assez fiable et donc très pratique. Celui-ci, bah écoutez, c'est pareil, on enroule hein, de la même manière. Et puis, on peut venir éventuellement, écoutez, fixer son fil et venir agrandir le gabarit. Hein, il suffit juste de tourner les petites molettes et on peut faire des glands plus ou moins grands. D'accord? Alors, il suffit de les bouger. Hein. Alors, je ne sais pas trop utiliser ceci, hein, celui-ci. Hein. D'accord? Voilà, et puis vous venez, et puis vous prenez la longueur que vous voulez. Alors, vous avez le grand modèle pour en faire des très, très grands. Alors, ils sont très bien aussi. D'accord? Mais voilà, donc je voulais vous les présenter tout de même. Vous voyez un petit peu ce qu'il existe. Alors, en termes de gland, comment ça se présente? Un gland, on peut le faire pour accrocher nos clés. Vous pouvez vous en servir comme un petit porte-clés. Imaginez un petit peu que vous faites ceci, et puis vous venez accrocher vos clés. Les clés de la maison, en général, vous savez, dans les portes, hein, bah, apporter un petit gland, bah, ça fait un petit côté charme. Alors, les glands, vous pouvez les faire soit avec du ruban, en mélangeant des matières, par exemple avec du ruban, du fil à crocheter, vous pouvez utiliser de la laine, vous pouvez utiliser divers matériaux, des cordons, vous pouvez faire un gland avec n'importe quel fil. Donc, en l'occurrence, à part le fil à coudre, hein, bien entendu, parce que c'est vraiment trop, trop fin, mais avec du fil à broder. À ce moment-là, vous l'utilisez en 6 fils, d'accord? Vous pouvez utiliser ce que vous avez envie. Moi, ce que je vais vous préconiser aujourd'hui, c'est d'utiliser du fil à crocheter. D'accord? Et puis, je vais vous apprendre une petite méthode. C'est que moi, ici, je n'ai pas utilisé le fil. Je suis venue faire une petite chaînette. Alors, je vais vous apprendre comment on fait une petite chaînette au crochet. Et d'ailleurs, comme ça, vous aurez déjà une petite notion pour quand on fera la poupée qui est là, hein, que je vous présente là. Donc, quand on fait le bonnet, on commence en général à faire donc du crochet avec une chaînette. Donc, c'est le béaba du crochet, c'est de commencer par faire une petite chaînette. Donc, aujourd'hui, vous allez apprendre à faire une petite chaînette. Alors, moi, j'utilise du fil à crocheter. Alors, vous en avez plusieurs. Moi, j'ai acheté un lot. Alors, je l'aime bien. Il est un petit peu argenté. Alors, ici, vous en avez un qui est un petit peu uni. C'est du crochet, hein. C'est du fil à crochet, hein, tout simplement, que j'utilise. Mais, comme je vous dis, vous pouvez utiliser différentes matières. Je l'aime bien. Il a juste un petit quelque chose, parce que moi, je suis un petit peu électrique, hein. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, c'est que voilà, vous voyez, comme je suis électrique, et ben, ça s'envole un petit peu dans tous les sens. Mais voilà, moi, je trouve que le rendu, je ne sais pas ce que vous en pensez, est plutôt pas mal. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner, d'accord? Je trouve que ça apporte un petit côté festif, ce genre de fil à crochet. Alors, vous en avez plusieurs, hein, du fil à crochet, donc vous avez du uni, comme je vous ai dit, plus ou moins gros. Donc là, en l'occurrence, je vous en présente un petit peu quelques-uns. Vous avez vu un petit peu dans ma panière hein, ce que j'ai. Hein. Donc voilà, j'ai plusieurs coloris. Donc le coloris que je vais utiliser aujourd'hui, bah écoutez, ça va être du lilas parce que, bah écoutez, je vais faire l'étoile en lilas, hein, en mauve, hein, avec des tonalités de mauve. Et puis, je vais utiliser des crochets. Alors les crochets, en général, moi j'ai acheté ces bobines de fil. Hein, je vous le mettrai en lien, hein, donc ce fil, parce que je l'aime bien, moi. Donc, vous verrez, hein, après, vous ferez ce que vous voulez, hein, vous utilisez ce que vous voulez. Eh bien, ils offrent les crochets qui vont avec, d'accord? Alors, moi, je ne travaille pas avec ces crochets lorsque je fais du crochet, hein. Juste pour faire le petit bricolage, comme je vais faire aujourd'hui pour faire la petite chaînette. Mais pour faire du crochet, c'est pas très pratique, hein, d'accord? Ils vous les donnent en cadeau,
Si vous achetez le lot complet, hein, parce que moi là j'ai acheté un lot complet, hein, vous voyez, il y a du doré, il y a un petit peu de tout. Et il vous offre les crochets. Et je trouve ça plutôt pas mal, c'est plutôt pratique, parce que pour celles qui veulent pas faire du crochet et qui veulent faire des petits glands pour accrocher à leur clé, à leur sac, je sais pas si vous avez vu dans les petits gabarits, hein, vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire. On peut faire, pour mettre dans les petits pochons, vous voyez, les petits embouts, on peut faire, vous voyez, pour les clés, on peut les mettre, les accrocher à des petites pochettes, à des sacs et plusieurs matières, hein. Vous voyez que là ils ont utilisé beaucoup plus de matières, hein, d'accord, donc le principe il est exactement le même, en termes d'utilisation, sauf que celui-ci, bah écoutez, on vient le fixer au milieu, mais ça je vous le montrerai à l'occasion, celui-ci aussi, hein. Aujourd'hui on va se concentrer sur celui où je vous ai fourni le gabarit, parce que tout le monde ne veut pas acheter de matériel et c'est pour ça que je vous ai fait le petit gabarit pour vous faciliter justement la vie. Alors, avant de commencer donc la feutrine brodée, on va justement se concentrer sur ce petit gland. Parce que le gland, je pense que c'est la partie que vous avez certainement envie de comprendre. La première chose que je fais, moi, ici, vous pourriez très bien utiliser du cordon. Alors, moi, j'ai fait une petite chaînette pour que ça ajoute un petit peu d'épaisseur et pour que ça ajoute un petit côté charme à ma feutrine brodée, hein, donc voilà. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais vous apprendre à faire un point basique. Alors je vais prendre un crochet, peu importe lequel, hein. Alors pas trop gros non plus parce que mon fil est pas très épais. Vous voyez celui-ci, hein, donc alors je vous donne le 4, hein, numéro 4. Hein. Hein, faut savoir que tous les crochets sont numérotés. D'accord? Et puis en général, lorsque vous achetez de la laine ou du fil à crocheter, on vous indique quel crochet utiliser. D'accord? Moi en l'occurrence, là, je vais utiliser celui-ci. Alors comment on fait une chaînette en crochet? C'est très simple. Déjà, on prend son fil, hein, basique, entre les mains. On fait une boucle autour de son doigt, comme ceci. Vous voyez comme je le positionne? Vous voyez? Je recommence pour que vous voyez bien. Je mets autour de mon doigt et je place comme ceci. D'accord? Je prends mon crochet. Je passe dans la boucle. Alors là, bien sûr que moi, habituellement, là, je suis en train de vous le montrer, je ne le fais pas comme ça. C'est pour que vous compreniez. Et je viens récupérer l'autre fil que je passe dans la boucle comme ceci. Et je viens, et regardez ce que ça fait, je tire. Je viens d'amorcer mon point pour faire ma chaînette. D'accord? Ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je passe, regardez, dans le crochet comme ceci. Alors, je vous écarte bien pour que vous voyez bien. Vous voyez, regardez, je prends mon fil de crochet, je le passe comme ceci et je le repasse dans la boucle. Alors là, il faut bien que j'écarte parce que j'ai utilisé un crochet un peu épais pour que vous voyez bien. Je repasse comme ceci. Alors quand on fait du crochet, on va beaucoup plus vite, hein, et dans la boucle. Et je continue comme ceci et je passe dans la boucle. Alors après, bah, écoutez, après, je continue, hein. Alors, moi, j'ai une façon particulière de tenir mon crochet. Vous avez plusieurs façons de tenir le crochet. Soit vous le tenez comme ceci, d'accord? Moi, je vais moins vite, hein, comme ceci. Puis, ça me fatigue énormément les doigts. C'est-à-dire que vous faites ceci, vous voyez? Comme ceci, pour tenir votre crochet. Ça, c'est comme à 90%, tout le monde utilise le crochet comme ceci. Moi, j'ai moins d'aisance parce que ça me fatigue énormément les doigts. Et j'ai fait beaucoup de crochets étant jeune. Donc, moi, j'ai commencé par le crochet. Eh bien, moi, je le tiens comme ça. Hein, donc, c'est une façon particulière. Hein. Je sais que je vais en faire tilter plus d'une. Mais moi, j'ai les doigts fatigués. Et comme j'ai les doigts fatigués, eh bien, j'ai trouvé une aisance plus... Et puis, je vais relativement vite à faire mon crochet, moi, en le faisant comme ça. Et puis, j'ai obtenu un point qui est juste pas trop mal, hein, donc en termes de crochet. Et puis, alors, vous allez faire une petite chaînette. Hein. Alors, vous voyez, hein, je continue. Hein, vous voyez? Plus ou moins, vous voyez, alors là, j'ai fait des points plus ou moins larges, hein, peu importe. Hein. Ce qui compte après, c'est le résultat. Et puis, vous allez faire une belle chaînette d'environ 5 à 6 cm. Hein. D'accord? Alors là, je ne vais pas calculer, je vais faire ça à l'œil, hein, avec vous. Vous voyez, je vais faire une belle chaînette. Alors, je vais la terminer. Voilà, j'ai terminé donc ma chaînette. Hein, d'accord? Mais qu'est-ce que je fais? Vous voyez qu'il reste toujours la boucle. Hein. D'accord? Comme ceci, vous la voyez. Hein. Ben, qu'est-ce que je fais pour fermer donc cette chaînette, hein? Donc, le principe est le même pour quand on fera le bonnet. Hein, vous verrez, sauf qu'il faudra venir l'assembler. Mais ça, je vous montrerai donc quand on fera la petite poupée. Eh bien, je prends mon petit ciseau à broder. Hein, donc là, je vous en présente même un autre. Hein, c'est de la marque Fiskars, celui-ci. Donc, quand on est en broderie, quand on fait beaucoup de broderie, les ciseaux sont très importantes. Hein, donc, et en généralement, les brodeuses vous le diront, on collectionne en général les ciseaux. Donc, moi, j'en ai pas mal des ciseaux à broder parce que, bon, d'abord parce qu'on ne sait jamais où on les met parfois. Et puis, on aime bien avoir toujours des ciseaux. Et bien, vous voyez, j'ai coupé mon fil. Et puis, ben, il me reste juste à tirer, tout simplement. Et j'ai fermé, donc, et j'ai fait ma petite chaînette. Donc, voilà comment on fait une chaînette au crochet. D'accord? Et puis, ça vous fait des petits cordons sympas.
N'hésitez pas à les faire comme ça. Alors après, je vous montrerai aussi comment on fait des cordons avec des petits appareils torsadés ou... Il y a plusieurs façons de faire des petits cordons assez sympas. D'accord? Donc voilà. Donc j'ai mon petit cordon. Donc il est très important. Ensuite, vous allez prendre, vous, votre gabarit en carton. Moi, je vais prendre, écoutez, mon gabarit de chez la marque Prime. Moi, ce que je fais, après, vous pourrez le mettre après. Moi, je le mets maintenant parce que comme c'est... Voilà, alors vous le mettez bien à plat. Hein. Alors là, vous voyez, moi, je suis électrique. Hein. Je vous le disais hein, tout à l'heure. Hein. Eh bien, je prends ensuite mon petit fil à crochet. Et puis, je viens tout simplement enrouler autour de mon gabarit. Donc, vous ferez ça avec votre petite base cartonnée que je vous ai donc fournie. Et puis, vous venez, bah écoutez, enrouler. Et vous voyez que j'ai déjà mis ma petite lanière ici, qui va me permettre ensuite de bien maintenir le tout. Vous voyez, je l'ai passé. Ce sera beaucoup plus facile si vous la passez maintenant. Et puis, vous allez enrouler. Alors, vous allez faire plus ou moins de tours jusqu'à obtenir l'épaisseur que vous avez envie. Alors, au début, au démarrage, c'est toujours un peu plus compliqué. D'accord? Parce qu'il faut vraiment tout maintenir. Et puis après, bah écoutez, vous allez faire autant de tours que vous le souhaitez. Alors, faites en sorte que tout reste bien à plat. Si ça vous gêne, bah, vous tirez. Vous pourriez le passer après, hein, le petit cordon. Moi, je préfère le passer maintenant parce qu'après, on n'est pas sûr de tout prendre. Et moi, là, on est sûr qu'il est coincé. Et puis après, on y va. Hein. Donc, alors, je ne vais pas rester avec vous à faire tout ce tour-là. Jusqu'à ce qu'obtenir l'épaisseur que vous avez envie pour votre gland. Alors on y va. Voici ce qu'on obtient. Donc vous voyez un petit peu, bon, j'ai fait plusieurs tours. Après, c'est à vous de voir quelle épaisseur. Hein. Vous voyez que celui-ci, par exemple, je l'ai fait plus épais. Voilà, moi je fais vraiment à l'œil. Hein. Il y en a des plus ou moins épais. Donc voilà, vous tournez autant de fois que vous le voulez. Vous voyez que mon fil est arrivé sur la partie inférieure. Bien, je viens avec mon petit ciseau. Bien, écoutez, je coupe tout simplement. Je prends, bah, écoutez, ma petite lanière ici au bout. Je viens faire un double nœud. Alors ça, vous avez déjà l'habitude, hein. Je viens, je fais une fois, deux fois dans la boucle et je commence déjà à serrer, d'accord, comme ceci. De façon à ce que quand je vais le soulever vers quand je vais le couper, la partie inférieure, eh bien, ça sera déjà tout en place, si vous voulez. Vous voyez un petit peu, comme ceci, ça va me permettre de le maintenir. Ensuite, vous allez prendre votre petite paire de ciseaux, vous allez tout simplement venir couper la base, comme ceci. Alors, vous voyez que le gabarit est plutôt pas mal. Mais vous arriverez très bien à le faire avec votre carton, hein, que vous serez pas préparé. Donc ensuite, bah, écoutez, vous venez tout simplement couper la base, comme ceci. Alors, vous, pour un peu de patience, hein, mais vous voyez. Après, on viendra, bien entendu, tout égaliser à la fin. Vous allez voir que le gabarit il est plutôt pas mal pour égaliser. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Vous allez ensuite le séparer et vous obtenez ceci. Et bien ensuite, vous allez tout simplement serrer. Alors, vous allez serrer fortement. Vous voyez? Et l'avantage d'avoir fait la petite chaînette, ben c'est que vous obtenez une belle résistance. Et puis, vous allez refaire un ou deux nœuds, tout simplement. Et on dirait des cheveux, regardez un peu. Hein. Voilà. C'est un peu le même principe quand on fait les cheveux pour les poupées, hein, certaines poupées. Hein. Donc, je vous avais déjà montré un petit peu. Vous voyez? Une fois que vous avez fait ceci, voilà ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu. Hein. Ensuite, vous allez bien. Alors, moi, je suis un petit peu électrique, donc... Eh bien, vous allez prendre votre gabarit de nouveau. Vous, et le même principe, hein, puisque je vous ai fait évider donc l'intérieur de votre gabarit. Vous allez le passer par l'ouverture, comme ceci, et vous allez tirer, comme ceci, à plus ou moins. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez. Vous voyez, si vous voulez ici que ce soit plus grand, plus petit. Donc, vous voyez, celui-là, il est un peu plus grand que l'autre. Donc, après, c'est à vous de voir, hein. D'accord? Vous le passez dans le gabarit et vous le maintenez comme ceci et on va préparer du fil. Alors moi, j'ai des restes de fil là qui restent. Parce qu'ils s'étaient emmêlés. Donc, vous voyez, j'ai récupéré. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez tout simplement... Alors, je vais dégager un petit peu pour que vous voyez bien. Vous voyez? J'ai fait comme ceci. Hein. Donc, ça me sert de base et de gabarit, si vous voulez. Eh bien, je viens avec mon fil comme ceci. Alors, je vais essayer de le dérouler un peu.
pour que ce soit plus simple. Et je viens mettre une belle longueur, vous voyez, pour qu'après il vienne à l'autre niveau. Et je viens passer une fois, deux fois, et pourquoi pas trois fois dans la boucle. Et je viens serrer. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Regardez un petit peu. Vous avez votre gland qui se forme et qui reste... en fait, le gabarit vous permet de bien tout égaliser. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et puis, vous allez serrer. Puis après, vous allez faire autant de nœuds que se peut. Hein, vous en faites plusieurs. Hein, toujours en maintenant et en serrant. C'est très important de venir serrer. Hein. Et vous allez... Écoutez. Hop. Hop. Vous en faites plusieurs. Voilà. Et puis, vous serrez bien. C'est très important. Alors, moi, je vais en faire encore un. Et hop, et je vais l'enlever de mon gabarit. Et j'obtiens ceci. Alors, il me reste toujours mon fil qui reste attaché. Qu'est-ce que je fais avec ce fil? Vous voyez? Eh bien, je vais tourner autour. Tout simplement, regardez, je tourne autour de mon gland. Alors, je fais attention de ne pas prendre l'autre. Hein. Et puis, je viens. Regardez. Alors, vous pourriez utiliser plusieurs couleurs, hein. Parce que moi, là, je le fais en uni, mais si votre gland, vous pourriez utiliser plusieurs couleurs. D'accord? C'est-à-dire que au lieu de travailler avec un fil, quand vous enroulez autour de votre gabarit, vous en prenez deux en même temps. D'accord? Prenez deux fils en même temps, puis vous tournez. Donc après, voilà, hein, c'est une question. Et pareil, votre chaînette, hein, vous la faites avec deux fils, par exemple. Voilà. Donc, et vous pourriez en faire un bicolore. Vous pourriez travailler du ruban et puis du fil accroché en même temps. C'est-à-dire que vous viendrez enrouler du ruban avec du fil accroché en même temps que vous faites votre petit gland. Donc, mélangez les matières, c'est tout à fait possible. Après, vous enroulez autant de fois que vous voulez. Hein. Donc, moi, j'aime bien qu'ils soient bien épais. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, hein. Ils sont vraiment bien épais, alors plus ou moins. Hein. Donc, j'enroule plusieurs fois autour. Hein. D'accord? Eh bien, écoutez, je viens, j'enroule tout simplement. Hein. Donc, c'est un gland, il n'y a rien de plus facile à faire, surtout quand on a des gabarits. D'accord? Et puis, je viens, je continue. Bah, écoutez, je fais mon petit bonhomme de chemin. Moi, j'ai envie que ça soit épais, parce que je trouve que plus c'est épais, plus c'est joli. Donc, voilà, et je tourne plusieurs fois. Alors, j'essaie de ne pas prendre... Voilà. Hop. 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 Et je viens, et je tournicote tout autour. Quand j'estime que, bah, écoutez, c'est assez épais, vous voyez, hein, je ne vous donne pas d'indicateur, c'est vous qui allez déterminer comment vous voulez. Eh bien, écoutez, je prends, je le mets à plat. Je vais prendre une belle longueur, vous voyez, comme ceci. Je vais couper. Voilà, je laisse vraiment, vous voyez. Je vais prendre une aiguille. Alors, je vais prendre une aiguille. Alors, je vais essayer d'en trouver une assez épaisse, parce que j'en ai plusieurs. Une fois que vous avez passé donc votre fil, d'accord, vous mettez un petit peu sur la partie supérieure, comme ceci. Et vous allez le passer à l'intérieur de votre gland. Vous voyez, comme vous voyez, hein, j'ai vraiment passé par le milieu. Et vous allez le refaire sortir. Regardez. Regardez. Vous voyez l'aiguille? À l'intérieur. Et vous venez récupérer votre fil. Et vous tirez fortement. Regardez. Et ainsi, ça vous maintient tout en place et ça ne se défaira plus. Et votre gland est terminé. Alors vous viendrez le faire... Voilà, plus au centré. Hein. Bon, moi, je l'ai fait à la va-vite. Donc, je viendrai le mettre bien en place après. En tirant, on arrive toujours à les mettre en place. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu comment elle est jolie. Alors ensuite, on peut se servir du gabarit pour venir égaliser notre gland. Alors, comment vous faites? Vous ferez la même chose avec votre petit gabarit en carton. Éventuellement, si vous avez un mari bricolo, faites-lui faire ça en pessiglas, hein, par exemple. Hein, comme ça, vous l'aurez toujours, vous le garderez longtemps et faire des petits... Vous voyez un petit peu comment c'est joli. Ensuite, bah, écoutez, vous reprenez les deux petites pointes, vous le passez à l'intérieur et vous allez tirer, regardez, comme ceci. Et ça va vous permettre de venir égaliser votre gland. Alors, vous allez prendre vos petits ciseaux et puis vous allez venir, bah, écoutez, couper pour égaliser. Voilà. Ça vous permet de venir aussi l'égaliser. Bon, alors là, j'ai peut-être pas pris les bons ciseaux parce que c'est des petits ciseaux à broderie. Mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc après, je viendrai le terminer et vous pourrez ensuite, bah écoutez, ça vous permet d'être déjà bien au démarrage. Voilà. Et vous obtenez votre petit gland qui est terminé. Voilà ce que ça donne.
Voyez? Alors, vous pourriez faire une chaînette plus ou moins grande. Vous pourriez, bien entendu, venir les assembler bord à bord pour que vous puissiez obtenir une. Voyez ici, vous pourriez ensuite venir les assembler, hein, d'accord? Il suffirait de ne pas fermer la boucle et puis vous obtenez un gland que vous pouvez accrocher à vos clés. D'accord? Donc voilà comment on procède pour faire des glands. Donc à vous de mélanger les matières, du ruban avec du fil à crochet, de la laine, tout ce qui vous passe par la tête, hein. Ça peut être aussi fait avec de la laine, vous savez, de la laine, hein, qu'on utilise pour faire les écharpes aussi. Vous savez, des fois, elles ont des petits effets, de la laine décorative. Ça peut être quelque chose de très joli. Alors une fois que nous, on a fait ceci, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous, on vient faire un nœud au bout. Parce qu'il va falloir que on rassemble ces deux parties. Alors voilà, alors on y va tranquillement. Et puis on vient tout simplement faire un petit nœud au bout. Voilà, pour la maintenir, pour nous aider à maintenir le tout. Puis on coupe l'excédent. Hein. Voilà. Voilà. Voyez un petit peu ce qu'on obtient. Vous pourriez l'écarter, vous pourriez. Voilà, un petit peu le petit gland qu'on a obtenu. Plutôt pas mal, hein? On en a terminé donc avec le petit gland. On va se concentrer maintenant sur la feutrine. Alors la feutrine, je vais y revenir vraiment de façon très très rapide. Donc je débarrasse un peu mon plan de travail et je reviens vers vous. Donc on vient de finir donc le gland. On va se concentrer maintenant sur la partie étoilée. Alors on va préparer un petit ruban. Donc moi là j'ai pris du ruban, vous voyez, un petit peu assorti à mon petit gland. Alors on va prendre une belle longueur, hein, environ 30 cm, hein, un petit peu, à peu près. Hein, donc vous allez prendre. Alors c'est du ruban 7,5 mm que je prends, mais vous pourriez prendre du plus large, du moins large, un petit peu à vous de voir. Hein. Donc là j'ai pris un petit peu trop. Voyez, vous faites en sorte que vous puissiez obtenir une belle longueur. Hein. Donc ne jetez pas les restes de ruban, hein, ça je vous l'avais déjà dit. Hein. Vous allez faire un petit nœud, ça on l'a vu la semaine dernière, donc on va le préparer parce qu'on va en avoir besoin. Voilà, comme ceci. Et vous allez faire un petit nœud. Alors vous faites en sorte qu'il soit bien droit à l'arrière, que vous ayez les deux parties brillantes, hein, du ruban. Voilà, vous faites comme ceci. Et puis vous allez prendre votre petit briquet. Hop. Et vous allez tout simplement le réserver. Et ne jetez pas les chutes. Hein. Ensuite, on va se concentrer. Donc vous avez deux parties, deux grandes étoiles, hein, si vous voulez. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre celle du milieu, vous voyez, c'est celle qu'on trouve ici. Ici, là. Vous voyez qu'en bleu plus prononcé ou, tiens, vous verrez peut-être mieux en jaune. On va prendre la partie jaune et on va prendre la petite partie centrale. Et on va venir les positionner comme ceci. Alors, vous allez le mettre au milieu, hein, vous allez faire en sorte de bien le mettre au milieu. Et puis, vous allez prendre du fil à broder. D'accord? Tout simplement. Hein, donc, essayez de le prendre ton sur ton. Donc, moi, je prends des chutes. Hein, et puis. Si vous, voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre du ton sur ton, hein, vous pourrez prendre de la couleur, hein, si vous voulez faire un petit contraste, ça peut faire très joli aussi. Donc ensuite, bah écoutez, vous allez travailler avec deux fils, hein, ça je vous l'ai déjà montré donc la semaine dernière, donc on va subdiviser le fil. Donc jusque-là, rien de compliqué. Alors essayez de travailler avec des grandes longueurs, c'est très important, parce que moi je travaille avec des petites. Hein. Parce que bon, c'est du fil prédécoupé qui me reste de mes kits à broder. Donc voilà. Comme quoi, on ne jette rien. Vous voyez que tout ce qui est. On récupère tout, hein, en couture, en broderie. Voilà, hein, ne jetez rien. C'est très important. Hein. Si vous faites de la broderie et que vous voulez faire ensuite de la broderie, de la feutrine brodée, pardon, bah vous ne jetez rien surtout. C'est très important. Puis vous allez bien les tirer comme ceci. Parce que comme c'est des. Vous voyez, c'est enroulé. Donc il faut vraiment que vous les tiriez bien pour pas que ça vienne faire des nœuds. Et puis on va je vais vous montrer les premiers points parce que bon, je vous les avais déjà montrés la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir dessus en détail, hein, parce que le principe est le même quand lorsqu'on a fait l'appliquer je vais la reprendre dans la petite demoiselle. Hein, lorsqu'on a fait, en fait là, je vais positionner donc la petite étoile sur la moyenne, comme j'ai appliqué le cœur, si vous voulez. De la même au même c'est la même le même procédé si vous voulez. Alors je vais juste vous montrer le démarrage, hein. Et puis il y a une petite particularité donc dans cette étoile qu'il faut que je vous montre. Voilà, alors vous faites plusieurs nœuds, hein, comme habituellement, ça vous avez l'habitude. Maintenant on coupe l'excédent. Alors vous allez commencer, bah écoutez, par une petite arête, hein, d'accord, vous pouvez très bien commencer ici par exemple. Alors qu'est-ce que je fais, moi? Voilà.
comme ceci. Alors vous allez bien le voir, peut-être mieux même que la semaine dernière, parce que comme il y a un contraste avec les couleurs, ça va, vous allez voir. Et bien ensuite, bah écoutez, je fais bien rentrer mon nœud à l'intérieur, je ressors comme ceci, vous voyez, à la jonction. Ça va former une boucle. Et au démarrage, on a toujours ce procédé qui est le même. Et je passe une fois dans la boucle, une fois dans la boucle et une seconde fois dans la boucle. Et je viens et je tire et j'ai amorcé le démarrage de ma feutrine brodée. Vous avez vu que je l'ai mis en décalage, hein, ouais, vous avez vu un petit peu, hein, pour que ça fasse une petite harmonie. Puis ensuite, bah écoutez, on vient le faire comme un, c'est un point de feston et c'est comme si on positionnait un appliqué, tout simplement. Vous voyez, je prends un petit bout de la feutrine du dessous et je viens, je passe mon fil sous l'aiguille. Je vous montre juste les premiers points, comme ceci. Vous voyez, je passe sous l'aiguille. Donc, je vous l'ai longuement montré la semaine dernière. Et puis, on continue tout du long, tout le tour. Je suis donc arrivée donc, au terme de ma couture. Vous avez vu que j'ai fait des points réguliers. Donc, je montre un peu sur l'envers, hein. D'accord, vous voyez que j'ai pris la feutrine en même temps que je l'ai appliquée, donc tout simplement. Qu'est-ce que je vais faire? Ben écoutez, je vais prendre un petit peu de ouate, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, eh bien la partie centrale, elle est légèrement bombée. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout simplement que j'ai laissé une petite ouverture, et qu'avant de terminer donc mon point, je viens avec de la ouate. Alors je prends mon petit outil à rembourrage. D'accord, alors vous pouvez laisser une ouverture plus ou moins grande, hein. Donc là je l'ai laissée un peu petite, mais... Et puis vous venez emboutir votre ouate, alors tout simplement. Alors, on y va tranquillement. Donc, je voulais vous montrer un petit peu cette étape. Pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et puis, vous allez en mettre plus ou moins. Hein. C'est à vous de déterminer un petit peu le gonflant que vous voulez avoir sur cette partie centrale. Donc, à plus ou moins. Alors, il n'y a pas besoin d'en mettre de grosses quantités. Hein. Vous voyez que là, en l'occurrence... Et puis, mon outil à rembourrage facilite parce qu'il est fin. Donc, il peut aller dans tous les coins, vous voyez, un petit peu. Hein. Donc, on y va, tranquillement. Ou avec votre petite pince aussi, hein, vous pouvez prendre votre petite pince. Donc, je vous avais présenté pas mal le petit appareil à keeling aussi, qui va bien. Donc, vous voyez, un petit peu. Donc, on continue, comme ceci, vous voyez. Donc là, je pense que c'est plutôt pas mal. Je vais venir fermer... Donc l'avantage de la feutrine brodée, c'est ce que je vous avais dit, eh bien c'est qu'on peut rembourrer en cours de couture. Alors, vous voyez un petit peu ce que ça donne, hein, ça fait un petit gonflant. Eh bien écoutez, ensuite il me reste à venir continuer à mes petits points. Alors c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a le rembourrage qui gêne un petit peu, mais voilà, avec vos petits doigts, hein, vous y arriverez très bien. Voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et puis vous, pareil, on continue à faire ce petit point de feston. Pour venir terminer cette petite étoile. Alors essayez de sortir l'aiguille vraiment au plus proche. Hein, vous voyez un petit peu. Hein. Vous voyez un petit peu comment est positionnée mon aiguille. Et puis vous venez tout simplement. Alors on va faire les deux derniers points. Voilà, comme ceci. Vous passez en dessous, le fil en dessous l'aiguille. Et puis ensuite, et ben écoutez, pour terminer, vous repassez sur le point d'origine. Toujours ce même procédé. D'accord? Toujours terminer sur le point de démarrage. C'est très important, sinon ici, vous allez rester avec une ouverture. Et qu'est-ce qu'on fait? J'ai juste assez de fil, hein, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Eh bien, écoutez, je tire. Ça va former ma fameuse boucle. Et je repasse deux fois. Une première fois. Une deuxième fois. Dans la boucle et je tire tout simplement et vous voyez ce qu'on obtient. Vous voyez, ça nous fait un démarrage quasiment invisible. Et ensuite, bah écoutez, on n'arrête jamais, on ne coupe jamais le fil à ras, on passe l'aiguille un peu plus loin, on tire légèrement et on vient couper l'excédent de fil tout simplement et on obtient ceci. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors ça tire un petit peu, c'est normal, hein, tant qu'on n'a pas tout mis en place. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Le même principe que ce qu'on a fait là, eh bien, on vient prendre une des deux parties, hein, qu'on avait tout à l'heure. Et de la même manière, on va le positionner en décalé, comme ceci. Alors, vous vous positionnez bien au centre. Hein.
D'accord? Donc, alors, je vais le démarrer avec vous pour que vous voyez un petit peu. Donc, je vais prendre un fil différent. Bah oui, tant qu'à faire. Donc, je tiens au moins mon ouvrage. Hein, donc, je fais en sorte qu'il soit bien, vous voyez, en décalé et qu'il soit bien dans la partie centrale de la même manière que ce que j'ai déjà commencé tout à l'heure. Donc, hop. Là, jusque-là, ça n'a rien de compliqué parce que c'est le même procédé. Vous voyez, ça va me former ma première boucle de démarrage. Alors, peut-être que vous la verrez mal parce que le fil s'enroule, mais voyez un petit peu ce que ça donne. Je ressors au même endroit. Alors, hop. Vous voyez, au même endroit, je tire. Je reprends ma boucle et je passe deux fois l'aiguille à l'intérieur. Alors, vous voyez, je vais vous le mettre comme ça pour que vous voyez bien. C'est pas évident, hein. Une première fois, une seconde fois dans la boucle, et je viens et je tire et j'ai démarré. Et puis ensuite, je continue de la même manière que ce que j'ai fait tout à l'heure. Et je vais coudre, c'est appliqué tout le tour. Et cette fois-ci, la seule particularité avec la partie supérieure, c'est que je ne vais pas mettre de ouate. C'est-à-dire que je vais le fixer, je vais faire tout le tour. Donc comme vous voyez que je viens de faire là, bah, je vais continuer mes petits points en faisant tout le tour et en terminant comme j'ai toujours terminé. Alors, comme ceci, et je termine comme ceci. Donc, alors, je vais faire tout le tour, et puis je reviens vers vous pour vous montrer un petit peu l'assemblage ensuite final. Alors, à tout de suite. J'ai donc terminé donc d'appliquer l'étoile suivante. Vous avez vu que celle-ci, bah écoutez, j'ai mis du rembourrage, celle d'en dessous, je n'en ai pas mis. Donc, j'ai fait, voyez, qu'une partie qui est comme ceci. Mais vous, vous pourriez très bien le faire sur l'autre aussi. D'accord? Donc, vous pourriez faire un recto verso. Hein, donc, à vous de voir. Hein. Donc, moi, je vous la propose comme ceci. Mais vous pourriez faire le même principe et l'appliquer sur la partie arrière. D'accord? Donc, à vous de voir un petit peu ce que vous voulez faire. Hein. Donc, le principe serait le même si vous deviez le faire en recto verso. C'est-à-dire que vous reviendrez faire les mêmes étapes que je viens de faire ici. Et la ouate, on la met que sur la partie centrale. Pas sur l'autre. Hein, parce que sinon, ça va vous tirer un petit peu sur votre ouvrage. Et vous n'arriverez pas à appliquer correctement. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Vous avez cette partie qui est plus bombée. Ensuite, eh bien, c'est simple. Hein. On va appliquer l'une sur l'autre. Alors, en faisant toujours l'endroit face à vous, l'endroit ici, et puis vous allez essayer de bien les superposer. Alors vous essayez de trouver un petit peu ce qui s'harmonise le mieux, parce que parfois, bah écoutez, mon étoile, j'ai fait des arrondis, voilà, hein, c'est pas forcément toujours bien. Essayez de bien les superposer, hein, d'accord? Vous voyez, vous faites en sorte que, bah, si vous voyez que ça va pas dans un sens, vous tournez comme ceci, vous voyez un petit peu, mais là ça vient bien se plaquer. Donc vous tournez, puis vous voyez un petit peu comment ça se positionne correctement. Donc ensuite, bah écoutez, vous allez le maintenir. Et je vais commencer dans une petite arête ici. D'accord? En sachant qu'il va falloir, donc là c'est la particularité que je vais vous montrer un petit peu, c'est qu'il va falloir qu'on vienne fixer à la main et le gland et le ruban. Alors ça va de soi qu'on va les mettre dans l'alignement. C'est-à-dire que moi je vais venir mettre mon ruban ici et le gland positionné ici. Donc on va tourner dans le sens toujours de la droite vers la gauche, hein, le point de feston. De la même manière, bah écoutez, comme pour l'assemblage que je vous ai montré du corps et de tous les éléments donc de la petite figurine. Alors à savoir, lorsqu'on fait des petites étoiles ou des petites choses comme ça, ça va relativement vite. Hein. Voyez par exemple cette étoile, je vais vous montrer une petite étoile ici, voyez, ça va relativement vite à faire ce genre de petit pour ça, pour les écoles, pour les enfants, je trouve ça plutôt pas mal hein, de faire de la feutrine brodée hein. Ça fait le petit cadeau sympa hein. Donc les enfants nous font toujours des petits cadeaux hein. Ça change un petit peu des colliers de pâte et puis des petites figurines en plâtre ou voilà, les maîtresses évoluent un petit peu et vous allez voir, vous allez faire à vos élèves des petits trucs sympas. Donc lorsqu'on fait des petites figurines hein, comme ça hein, comme l'ange que je vais vous montrer la semaine prochaine, c'est toujours plus long hein, d'accord, mais ce genre de petit ouvrage en une petite heure vous en avez fait un hein. Vraiment, hein, et en y allant tranquille. Donc, vous voyez, là, j'ai commencé dans l'arête. Donc, c'est-à-dire que j'ai enfilé, donc, comme habituellement. Hein, vous voyez un petit peu comment ça se présente. Hein. Et puis, bah écoutez, je tourne. Ça, je vous l'ai montré la semaine dernière. Hein, donc, c'est pour ça que je viens pas en détail. Hein. L'assemblage est toujours le même. Hein, d'accord? Donc, on démarre toujours de la même manière. Et puis, bah écoutez,
Je vais continuer, mais cette fois-ci, au lieu de l'appliquer comme on a fait là, bah écoutez, je traverse hein, tout simplement. Et puis, je passe en dessous l'aiguille, toujours, et je fais mon point de feston. Toujours de la même manière, ce petit point feston. Hop. Donc là, je vais aller relativement vite pour que je vous montre comment j'assemble le ruban. Alors, le ruban, je l'assemble de la même manière que je l'ai assemblé la semaine dernière. Hein. Donc, sauf que là, bah écoutez, je vais pendre, lorsque je vais arriver au sommet de mon étoile, ici, écoutez, encore un petit point, et je ne devrais pas tarder à mettre mon petit ruban. Voilà. Je travaille toujours en deux fils. Je fais en sorte, vous voyez un petit peu, je prends ensuite donc mon ruban, vous voyez que le nœud facilite et me permet d'avoir tout en alignement. Je viens le glisser, et bien écoutez, à l'intérieur, hein, tout simplement. On aura plus ou moins long, hein, comme vous voulez. Hein, d'accord? Je ne vous donne pas d'indicateur pour la longueur du ruban, parce que tout dépend où vous voulez l'accrocher. Donc moi, je l'ai fait relativement long, parce que je veux l'accrocher à mon petit sapin qui est juste à côté de moi. Donc après, c'est à vous de déterminer où vous voulez le mettre. Donc vous pouvez faire plus court. Hein. Vous voyez, certains, je les ai fait plus courts ici, vous voyez? Donc à vous de déterminer comment vous voulez. Hein. Donc ça... vous prenez 30 cm ou vous prenez... voilà. Ensuite, ben, qu'est-ce que je fais? Eh bien, écoutez, je prends... Donc, vous voyez qu'ici, je m'étais arrêtée. Ben, écoutez, je viens traverser comme ceci. Toujours le même procédé. Hein. Là, ça ne change rien. Sauf que, une fois que je l'ai traversé ici, je ne peux pas faire comme je fais habituellement, le passer sous l'aiguille. Parce que j'ai le ruban hein, donc, qui gêne. Eh bien, je viens me positionner ici, c'est-à-dire sur le ruban, c'est-à-dire que vous voyez, je pique sur le ruban, toujours perpendiculaire comme ceci, et je le ressors devant. Vous voyez que ça a piqué le ruban. Ça va me former une boucle devant. Regardez, vous allez la voir, la boucle, vous la voyez ici. Je passe une fois à l'intérieur de la boucle, et je viens, et je tire. Et je fais en sorte que tout reste bien droit. Et ainsi, ça me prend mon ruban. Alors, j'en profite. Du coup, je fais un petit point serré. D'accord? Pour que ça passe deux fois dans le ruban. C'est-à-dire qu'il va falloir que je pique vraiment bien. Parce que là, j'ai une aiguille qui ne pique pas très bien. Voilà. Vous voyez? Je prends de nouveau mon ruban. Ça traverse de l'autre côté. Comme ceci. Je vous le mets sur l'envers pour que vous voyez bien. De la même manière, je tire. Alors je ne tire pas entièrement. Je repique sur le ruban, sur la même base. Vous voyez, comme ceci. Vous voyez qu'il sort à l'avant, toujours sur le ruban. J'ai la petite boucle qui s'est formée ici sur l'avant. Je tire et je passe l'aiguille dans la boucle. Et je viens et je tire. Vous voyez? Et après, avec mon aiguille, je viens, j'arrange le tout hein, pour que ça reste... Si ça n'a pas bien tiré, bah, je prends le dos de mon aiguille comme ceci. Et puis, je viens tirer. Vous hein. Voyez, je tire. Et puis, je tire avec le prochain point aussi. Vous voyez. Et ça vient mettre tout en place. Vous hein. Voyez un petit peu hein, ce que ça donne. Et puis, bah écoutez, après, je continue mon petit bonhomme de chemin. Hein. Donc, je ne vais pas vous montrer tout. Hein. Vous voyez, après, je reprends hein, tout simplement. Hein. Hop. Je refais mes petits points. Hein. Donc, après, je reprends le même procédé que ce que je vous ai déjà montré. Hein. Alors, je fais en sorte que tout soit bien en alignement. Je pique ma feutrine. On essaye de faire toujours des points réguliers. Vous voyez, ça sort de l'autre côté. Je passe le fil sous l'aiguille. Et je tire. Donc ça, vous l'avez compris. Hein. J'en refais un dernier avec vous. Vous voyez, je pique. Comme ceci. Je passe sous l'aiguille. Et je tire. Donc je vais continuer jusqu'à cette pointe-ci. Parce que là, je vais continuer comme ceci. Je vais faire tout ce contour-ci. Je vais m'arrêter ici pour pouvoir venir fixer mon petit gland. D'accord? Donc, dès que j'arriverai donc à cette étape-ci, je reviens vers vous. Vous voyez, je suis arrivée à la pointe. Donc, ici, j'ai mon petit... Vous voyez bien, j'ai mon petit ruban. Donc, ça va de soi que le gland, je vais venir le positionner sur la pointe opposée. Eh bien, je prends mon petit gland. La même manière que ce que je viens de... que j'ai fait pour le ruban. Hein. Donc, je le mets en place. Alors, vous laissez la longueur que vous voulez, à plus ou moins long. Donc, si vous voulez qu'il soit plus long, vous le mettez plus long. Vous le mettez bien à plat, comme ceci. Voyez?
Et ce qu'on a fait pour le ruban, on va faire la même chose pour le gland. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse en sorte de venir prendre cette petite chaînette. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Eh bien, je fais en sorte de venir piquer vraiment la chaînette. Alors, quitte à ouvrir mon ouvrage pour voir si je l'ai bien prise. Regardez la chaînette. Vous voyez, là, je l'ai prise. Hein. On le voit bien. Hein. Vous ouvrez votre ouvrage et vous regardez si vous avez pris un bout de la chaînette. Hein. C'est très important pour que ça reste bien en place. Et vous venez, vous tirez, vous mettez sur l'envers, vous venez piquer dans la chaînette de nouveau, mais sur la partie supérieure. Alors j'essaye de faire en sorte pour que vous voyez bien, je vais me mettre à l'envers comme ceci, et vous venez piquer dans la chaînette. Vous voyez la chaînette là, en crochet. Vous voyez, je me mets vraiment dedans, je tire. Alors, voilà, comme ceci. Devant forcément, bah écoutez, ça fait une boucle. Hein. Si elle ne l'a pas fait, que vous avez trop tiré, vous tirez dessus. Et vous mettez votre aiguille à l'intérieur de la boucle. Et vous venez tirer. Vous voyez un petit peu. Alors vous mettez, faites en sorte que votre point soit joli. Et vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et on va faire la même chose pour l'autre partie. Parce que vous avez vu que la chaînette ici, vous en avez une. Et puis vous avez la deuxième. Et bien on va faire la même chose. On va piquer. Alors, voilà, on fait en sorte, on ouvre hein, pour voir si ça a pris la chaînette. Si ça ne l'a pas prise, bah, vous ouvrez et puis vous faites comme ceci, regardez. Vous voyez, vous ouvrez et puis vous venez la prendre, regardez. Vous voyez là? Il faut vraiment qu'on la prenne. Hein, et puis vous piquez. Vous voyez? Vous faites en sorte qu'à l'arrière, ce soit tout bien pris. Vous vérifiez bien surtout, c'est très important. Hein, vous voyez là, ça l'a prise. Hein, on voit bien que l'aiguille elle passe dans la chaînette. De la même manière, vous allez tirer. Vous voyez que ça va former une boucle à l'avant. Vous voyez la boucle hein? Vous la voyez ici. Regardez, j'essaie de vous la mettre pour que vous la voyez. Hop là, vous voyez, ça a formé une boucle. Et bien, sur l'arrière, on retourne de la même manière. Et vous venez piquer votre chaînette. Au plus proche, vous voyez, la feutrine, elle est là. Ben, vous piquez votre chaînette. Là, ça ne va pas être facile pour moi parce que je ne suis pas bien positionnée pour le faire. Il faut que je vois clair. Voilà. Vous voyez, j'ai piqué ma chaînette. Je tire mon aiguille. Regardez. Alors, je tire mon aiguille. Vous voyez un petit peu là? Regardez. Voilà, je tire mon aiguille. Je ramène vers l'avant. Et je repasse l'aiguille dans la boucle que j'ai devant. Tout simplement. Et je viens. Je tire. C'est le même principe que le ruban. Hein. Sauf que là, ben, on est obligé de prendre la chaînette. Et regardez, ça reste fixé. Hein. Vous allez pouvoir tirer dessus. Ça ne bougera pas. C'est la meilleure façon que vous avez pour appliquer tous les différents éléments. Et vous voyez un petit peu. Alors, vous pourriez le laisser plus ou moins long ici. Hein. D'accord? À vous de voir. Et puis... Donc là, moi, j'ai fait une petite chaînette. Hein, donc ici, par exemple, moi, j'ai doublé le fil. Vous voyez qu'elle est plus épaisse, la chaînette. C'est-à-dire que j'ai triplé mon fil lorsque je l'ai faite. Ici, je ne l'ai pas triplé. Vous voyez, elle est plus fine. C'est à vous de voir comment vous voulez faire. Hein, d'accord hein, il suffit de doubler ou tripler votre fil pour faire la chaînette, hein, tout simplement, hein, pour obtenir plus ou moins gros. Donc voilà. Donc là, moi, je n'ai pas voulu vous compliquer les choses, mais vous pourriez faire plus gros. Voilà, hein, donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Et puis, bah écoutez, ensuite, bah, on continue de la même manière. Le petit point de feston. Alors, vous voyez, je vais vous montrer qu'on peut aller très, très vite. Regardez un peu. Même en étant mal positionné sur le plan de travail, parce que là, je ne suis pas dans une position idéale parce que j'ai les bras tendus. Mais vous voyez un petit peu, regardez à la vitesse. Regardez, c'est juste pour vous montrer un petit peu on peut aller relativement vite en faisant le point de feston. Regardez. Vous voyez un petit peu? Regardez. Parce que bon, moi, je vous fais une vidéo où vous avez toutes les étapes. Donc forcément, je mets plus de temps à vous expliquer qu'à le faire, si vous voulez. Mais vous voyez, regardez un petit peu. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bah écoutez, je vais continuer... jusqu'à laisser une petite ouverture, à peu près ici, pour pouvoir ensuite le rembourrer. Alors, je vais arriver jusqu'à cette étape-ci et je reviens vers vous.
Voilà, je suis quasiment arrivée donc au terme de ma couture. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, écoutez, je vais prendre mon petit rembourrage, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup, hein. J'en ai peut-être pris un peu de trop. Et puis, bah, écoutez, je vais prendre mon petit outil, hein, tout simplement, et puis je vais tourner. Et puis, par l'ouverture, eh ben, je vais venir rembourrer tout ça. M'aider, mais on peut même le faire avec les doigts, parce que là, c'est relativement grand. Donc, voilà. Et puis, vous allez emmener ça, bah, écoutez, au fond. Vous allez commencer toujours par le fond, comme ceci, regardez. Les emmener à chaque pointe, si vous voulez. Vous emmenez la ouate à chaque pointe. Hop, vous faites une pointe et puis après vous venez. Moi j'ai l'habitude d'utiliser l'outil, hein. Ça facilite. Hop, par l'ouverture. Et puis après vous vous aidez avec votre doigt. Vous l'emmenez, vous voyez, à chaque pointe comme ceci. Regardez. Voilà. Vous voyez, vous pourriez même en faire un pique-aiguille, hein. Regardez un peu. Il suffirait que vous ne mettiez pas le gland, hein, vous fassiez juste l'étoile et puis regardez sur votre plan. Vous enlevez, hein, vous ne mettez pas le ruban, regardez. Faites un beau pique-aiguille. Sur votre plan de blanc de coupe ou à côté de votre machine à coudre, regardez un peu comment ça peut être sympa. Vous voyez avec que les modèles que je vous propose sont vraiment déclinables à l'infini, hein. D'un simple modèle, bah, vous le transformez. Vous pourriez très bien agrandir le patron, le faire beaucoup plus grand. Pourriez, voilà, vous avez de multiples possibilités. Donc voilà, ben, après je vais le terminer de rembourrer hors caméra parce que je vous montre juste là que ben, il faut commencer par les pointes, hein, ça va de soi. Hein. Vous voyez que je suis en train de rembourrer, ben, écoutez, chaque pointe, puis après je terminerai par le milieu tout simplement. Hein. Je peux même y aller avec les doigts, regardez. Là, j'y vais avec les doigts parce que maintenant, bon. Regardez. Vous voyez un petit peu, si vous avez des petites couturières là, dans votre entourage, bah, vous lui faites un petit pique-aiguille comme ça. Ça peut être super cool. Vous pourriez même mélanger des matières. C'est-à-dire que vous feriez le cœur en feutrine et puis le reste en tissu. Voilà, tout simplement. On peut, voilà. Et puis, bah, écoutez, je vais continuer tranquillement, regardez. Voilà, j'y vais. Hein. C'est super agréable la feutrine. Hein. Ouais, je vous l'ai déjà dit, mais vous allez vite vous en apercevoir parce que c'est une matière qui est très douce, hein, à travailler. Puis vous avez vu quelle facilité et quelle rapidité on fait le point de feston. Une fois qu'on a bien acquis la maîtrise donc, et la régularité du point, parce que c'est juste une question de régularité, hein. Eh bien, écoutez, après, bah, ça va tout seul. Hein. Regardez. Voilà. Et puis maintenant, bah, écoutez, je vais le rembourrer hors caméra, hein, tout le restant. Puis je vais terminer la couture avec vous. Et puis on va positionner les perles. Mais bon, je vous ai déjà montré comment on fait les perles. Hein. Donc la semaine dernière, vous regarderez. Hein. Donc je vais positionner les perles. Hein. J'ai pris juste une aiguille, puis je suis venue les enfiler. Mais vous pourriez très bien les laisser comme ça, ou mettre des plus grosses ou des plus fines. Après, c'est à vous de voir. Moi, je trouve que bah, rajouter des perles, bah, ça ajoute un petit côté charme. Alors, vous auriez pu mettre des roses, vous pouviez... Voilà, il en existe une multitude de perles. Donc, je vais terminer donc, de rembourrer, et je reviens vers vous. Je viens de quasiment terminer donc, le rembourrage de ma petite étoile. Je vais continuer à faire quelques petits points. Donc, alors... Pour bien fermer cette pointe, alors je fais en sorte que le ruban ne vienne pas me gêner. Hein. Alors, le principe est toujours le même. Hein. Je passe sous l'aiguille et je continue mon petit point de feston. Alors, je fais en sorte que l'autre vienne bien se plaquer, parce que vous voyez un petit peu, parce que comme on a rempli, ben, le point il est peut-être mal fait. Ben, on prend l'aiguille comme ceci. Vous voyez, je vous montre, hein, pour que si ça vous arrive, que vous puissiez bien mettre en place. Avoir des points réguliers, c'est quand même plus joli. Vous voyez un petit peu. Et puis, bah écoutez, on fait en sorte que tout soit bien plaqué. Je ne vais pas fermer tout de suite parce que je vais remettre un petit peu de rembourrage avant de terminer la couture. Alors, je fais bien en sorte qu'avec ma main gauche, je maintienne bien pour que tout soit dans l'alignement. Voilà. Je passe toujours mon fil sous l'aiguille. Voilà.
Et puis, je viens de terminer de rembourrer. Pour pas que j'ai une pointe qui soit creuse, si vous voulez. D'accord? Vous avez vu, j'ai laissé vraiment une petite ouverture. Je viens avec mon petit outil, ou tout ce que vous avez, hein. Donc, et puis, vous venez rembourrer cette partie-ci. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Vraiment, vous venez dans la pointe, de façon à ce que tout soit uniforme, si vous voulez. Vous voyez, je viens tranquillement. Puis, je viens terminer de rembourrer la dernière branche de l'étoile. Et puis, je termine de rembourrer. Alors, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de rembourrage. Vous voyez que ça reste vraiment ferme et souple. Hein. D'accord? L'avantage de la feutrine brodée, justement, c'est parce que ça ne contient pas beaucoup de watts, si vous voulez. Et puis, bah, écoutez, on va terminer donc les derniers points, tout simplement. Donc, en pinçant bien, vous voyez que je pince avec mes... Et je passe sous l'aiguille. Et je continue mon petit point de feston. Alors, j'ai moins d'envergure avec mon fil, mais ça devrait aller jusqu'au bout. Parce que quand on arrive au bout du fil, c'est très difficile hein, donc de faire la boucle ensuite. Et vous voyez, j'arrive presque au bout. Donc, alors, ça va aller. Hein. On va essayer de le garder jusqu'au bout, le fil. Voilà. Alors, je fais en sorte d'avoir toujours mes points réguliers. Hein. Le dernier point, l'avant-dernier point. Vous voyez, regardez. Je passe sous l'aiguille. Comme ceci. Ah, encore un. Je passe sous l'aiguille toujours. Comme ceci. Et je termine sur le point de départ, toujours comme ceci, ça va me former une boucle et je viens une fois, encore deux fois dans la boucle et je termine ma couture. Et ensuite, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à passer mon fil, tout simplement, sur l'avant ou sur l'arrière, peu importe. Voilà. Et je tire. Vous voyez, je tire légèrement, je prends mon petit ciseau. Et j'enlève l'excédent. Et donc, mon étoile est quasiment terminée. Donc, maintenant, je vais... Hors caméra, je vais venir mettre mes perles. Et puis, je vous montre tout ça. Terminé. Avant donc de vous dire au revoir, bah, je vous montre un petit peu mes 5 petites étoiles. Celles que je viens de terminer donc devant vous. À vous donc de marier donc les coloris. Vous voyez un petit peu ce qu'on peut obtenir. Juste avec un petit peu de doigté et puis bah écoutez en mélangeant des coloris. Donc vous pouvez plus ou moins donc les charger en watts. Vous voyez, celle-ci est plus souple. Vous pouvez éventuellement, moi je la fais en 2 coloris, mais vous pourriez user de plus de coloris. Vous pourriez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en faire un pic aiguille. Voilà un petit peu les 5 étoiles que vous avez devant vous. Alors faites parler votre imagination. Moi j'étais super contente donc de le faire avec vous. Et puis bah écoutez, je vous le mets là un petit peu, ce petit bonhomme que nous allons faire la semaine prochaine. Donc je reviens vers vous. Eh bien, j'en ai terminé avec ce premier projet de 2021. Eh bien, cette petite étoile qui, je l'espère, vous apportera beaucoup de bonheur. Et je vous réitère, bien entendu, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Amour, joie, santé, bonheur et tout ce qui va avec. Et puis, je vous retrouve donc la semaine prochaine pour réaliser ce petit ange de la paix. Parce que je veux que vous ayez la paix dans votre cœur. Hein. Et bien, écoutez, je vous apprendrai des nouvelles techniques de broderie. Puisque pour faire ce petit visage, eh bien, écoutez, j'ai utilisé quelques petits points de broderie. Mais tout ça... Eh bien, écoutez, on le verra la semaine prochaine dans un pas à pas complet, donc un cours complet de couture. Donc voilà, donc on va se retrouver la semaine prochaine avec ce petit bonhomme. Et puis en attendant, bah, écoutez, vous n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles !